Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Se vendre sur le bon coin caché à l'intérieur d'un frigo, est-ce que c'est possible? Le but du jeu, c'est que la personne qui vient acheter ce frigo ne me remarque pas parce que je serai caché à l'intérieur. On a écrit une annonce qu'on a postée sur le bon coin avec des photos du frigo comme celle-ci ou celle-là encore. Je vais faire un petit foot avec. Ça dégage. On va mettre du cellophane autour du frigo en expliquant qu'il est neuf pour que la personne ne l'ouvre pas. Et on va voir si je me fais pas cramer. Du coup, on a un acheteur potentiel qui a répondu à notre annonce. Il nous a donné son numéro de téléphone. C'est Lucas qui va le contacter parce que moi, souvenez-vous, je serai caché à l'intérieur du frigo. Ok, super. Bah écoutez, je vous envoie l'adresse et on se rejoint là-bas. Parfait. Bah écoutez, parfait. À tout à l'heure alors. Au revoir. On a une heure, les gars. Putain. C'est dans une heure, les gars. C'est parti. L'expérience commence. On n'avait pas prévu que la personne arrive si vite. Il nous reste seulement une heure pour tout préparer. On a commencé par percer des trous dans le frigo pour que je puisse respirer. Et on a également fixé une caméra GoPro. Afin de pouvoir communiquer facilement, je serai également muni d'un talkie-walkie. Ouais, Lucas, tu m'entends? Personne 5 sur 5. Ah, mais t'es là? J'emporte une bouteille d'eau et aussi une boîte de dinosaures. Je prends également un couteau avec moi qui me permettra de couper le cellophane pour sortir le moment venu. Est-ce que l'expérience va fonctionner? Est-ce que la personne va accepter de ne pas voir l'intérieur du frigo? Où va m'emmener la personne? Vais-je découvrir un nouveau pays lointain comme la Laponie ou la Thaïlande? C'est ce que nous allons voir. L'expérience peut commencer. Ok les gars, tout est en place, Olivier est dans le frigo. Olivier, est-ce que tu m'entends? Mec, je t'entends. C'est marrant parce que c'est seulement maintenant que je capte ce que ça fait d'être un yaourt. Quoi? Il n'y a plus qu'à attendre que l'acheteur arrive. Ok, bon, le futur acheteur d'Olivier arrive d'une minute à l'autre. Tout est prêt et maintenant, on passe en mode caméra cachée, les gars. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ça va, il est là, du coup. Il est tout neuf, c'est ça? Tout neuf, ouais. Il n'a pas encore servi. Il est vraiment comme neuf, là. Il est encore emballé. Ok, ok. Faut pas qu'il ouvre le frigo. Faut surtout pas qu'il ouvre le frigo. Et pourquoi vous demandez? Bah en fait moi je déménage à Paris donc je vous avoue que j'ai pas trop envie de me le trimballer. Ouais, je comprends. Tu peux voir l'intérieur? Non mais ça sert à rien, enfin je l'ai pas encore ouvert. Donc en fait là il est comme neuf. Bon allez, je vous fais confiance. Je le prends. Parfait. 80 euros c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, tenez. Super. Yes. J'ai un diable, si vous voulez, je peux vous le ramener à la rue. Ah, carrément. Vous êtes garé où? Juste à côté au bout de la rue, là. Parfait. Bah écoutez, je vais le chercher. Il est lourd. Ouais, ouais, il est lourd. Et voilà. Wow, il est lourd. Est-ce que tu m'entends? Ouais mec, je t'entends, 5 sur 5. Mec, là t'es dans le coffre de la voiture, mec. En vrai, ça va mec, je suis pas trop mal calé. On nickel. Et l'expérience commence les gars. J'espère que le gars il habite pas à 3 heures de route parce que je suis vraiment trop mal. Je pourrais pas rester comme ça 3 heures, ça c'est sûr. Et je vois qu'ici, il y a un certain Arthur Martin. Ok, j'ai trouvé un Arthur Martin. Frère, vraiment trop confortable, ces frigos. La voiture vient de s'arrêter. Je crois que le gars est en train d'ouvrir le coffre. Ok les gars, petite pause pour vous donner quelques explications. En fait, à ce moment-là, j'avais vraiment peur que la personne décide d'ouvrir pour regarder à l'intérieur du frigo. Et certains d'entre vous le savent peut-être, quand on achète un réfrigérateur, il faut attendre 24 heures avant de l'allumer à cause de l'huile dans le moteur. J'avais donc beaucoup de chance pour que l'homme n'ouvre pas le frigo tout de suite. Ok les gars, là du coup, ça fait 30 minutes que le frigo, il a pas bougé. Ouais Lucas, tu m'entends? C'est qui? T'es con mec, je vais regarder sur Google Maps et je vous envoie ma position. Il a l'air d'être parti bien loin le gars quand même hein. Oh non putain.
Les gars, je viens de regarder sur Google Maps, je suis à une heure de bagnole. Ah ouais, mec, il est parti loin, le gars. T'inquiète, mec, dès que t'es sorti du frigo, on part te chercher. Je pense que je vais attendre jusqu'à 2h du mat pour être sûr que la voie est libre et je sortirai du frigo. Olivier. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mec? Il a reçu ton message, ça roule. On attend ton signal. Ça, c'est de l'or, les gars. Il fait ultra chaud. J'avais pas si chaud avant, mais là, ça commence à devenir vraiment hardcore. Je te demande quel cadeau. Dites-moi en commentaire quel est votre gâteau préféré et quel est votre dinosaure préféré. Dinosaurus, Triceratops. J'ai ramené un marqueur dans le frigo. Je vais lui faire une petite surprise. Et n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo. Pour les gens qui veulent voir le mot que j'ai laissé, je vais prendre une photo et je la poste sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour aller voir le petit mot que j'aurais laissé. Je ne peux plus. Country road. Sortez-moi de ce frigo. Take me home. To the place. Je crois que c'est comme ça quand on meurt. Ah, j'en ai marre. Il est 1h du matin. Je vais dire aux gars de se mettre en route. Vu que c'est à 1h de trajet, le temps qu'ils arrivent. Les gars, vous êtes là ou pas? Oh non. Les gars, vous m'entendez ou pas? Je sais pas ce qu'ils foutent. Vous êtes trop con, putain, j'ai vraiment flippé. C'est qui? Vous pouvez vous mettre en route, je sors du frigo dans 1h et ensuite vous me récupérez. Vas-y, écoute, on se met en route avec Mike. Faites-moi sortir de là! Encore 50 minutes et je sors de ce frigo. Là, j'ai plus beaucoup d'air. Je vais voir si c'est possible de bouger le frigo en me balançant. Ok les gars, il va être 2h du mat, mon petit couteau est prêt. Là, c'est la paroi du frigo. Je vais essayer de passer le couteau à l'intérieur pour pouvoir découper le cellophane. C'est juste que ça communique. Je me souviendrai de toi, mon grand. Il y a un petit escalier qui monte. J'explore la maison d'un gars qui a acheté un frigo dans lequel j'étais caché. Ici, on a un petit salon sympathique. Oh, il y a un petit arbre de Noël. Oh, il est trop mignon. Je prends juste ça. En vrai, je crois que je vais m'installer ici. Demain, je vais le virer de ça. Quand on dit gastronomie, on a l'impression tout de suite que ça va être extrêmement cher avec des produits extrêmement luxueux. Je devrais pas faire ça. Si vous kiffez le concept de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. La prochaine fois, je m'envoie dans un congélateur. Ok, il y a plusieurs portes. Ça, c'est quoi? C'est les toilettes. C'est mieux comme ça. Il faut que je sois très discret. J'ai pas du tout été discret. Il a gardé la même émission que moi. Mais non, je suis confiné, c'est vous ça.
le son de toute la maison. Je sais pas comment sortir d'ici. Oh, attends, mec. Mec, ça fait une heure qu'on te cherche, on pouvait pas t'appeler sur le talkie. On est devant avec Mike. Putain. Viens. Mec, il y avait une émission super sympa à la télé avant que je... Arrête. Il est juste là, il est juste là. Passe. Ok les gars, bienvenue dans le deuxième épisode de Je me vends sur le bon coin. Oui, alors elle est comme neuve. Je prends un soin, elle n'a pas été utilisée, il n'y a encore rien, elle est vraiment en état, donc ça peut vous intéresser. En tout cas, vraiment, elle est parfaite.